mysterious murder in the house of Atkinson, wanton under Edge's countryside. Intriguing was the discovery of the body of the man who currently owns the manor house, Dwight Shaw, and it was completely decomposed while several witnesses assured that he was still alive. The residents of the village brought back to mind the strange disappearance of 8 teenagers 3 years ago, while their friends claimed that they had to sneak into the manor house. But village dwellers are confused that such a mansion with a bloody past is going to be remade. Some people assume that paranormal phenomena are the cause of several disappearances and murders committed in the house of Atkinson. This is the first time that a team of mediums and parapsychologists gathered to study the paranormal phenomena related to the Atkinson Mansion and to unravel the mystery around the murder of Dwight Shaw and the other strange disappearances. Reminding that this place was a massacre scene which happened over 100 years ago, when the village residents attacked and burned the manor after the discovery of a satanic cult that killed more than 80 innocent people in demonic rituals. Some people say that these ghost stories are only fanciful, but no matter what they think, it is undeniable that a body cannot decompose in one night. Let's not forget that a satanic sect who sacrificed several innocent people lived also in this house 100 years ago. People are in need to know what's going on in that place, reminding that our special delegate went to the village of Wanton Under Edge to cover the investigative team's researchers. We expect to have an answer on Atkinson's mansion phenomenon. Do they really exist? Or it's just legend? People are convinced that the place is haunted by demons. Nobody dares to approach the old mansion. Meanwhile, the village residents are calling it... Salut les fous, c'est Promises. Et oui, très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Vous avez vu, aujourd'hui c'est journée horreur, hein. On est le lendemain d'Halloween, mais je fais toujours des vidéos sur des jeux d'horreur, c'est comme ça. Parfait, donc vous avez vu la petite cinématique tout à fait tout à fait charmante de l'entrée, hein. Baisse-moi ce son tout de suite, c'est fort. Voilà, donc vous avez vu cette magnifique cinématique qui nous a montré le manoir hanté. Donc nous serons l'investigateur aujourd'hui qui va investir dans ce manoir. Et nous allons donc lancer la nouvelle partie. Alors je ne connais pas le jeu, je ne sais pas qu'est-ce qu'il vaut, mais je l'ai téléchargé pour ça après tout, donc à voir. Donc lui, est-ce que j'ai compris, c'est le gros méchant de l'histoire. Donc on a un mode de l'effroi. Le personnage principal a un sprint plus long. La charge de la lampe torche dure plus longtemps et se recharge automatiquement lorsqu'elle est éteinte. Donc en gros, j'avais ça en mode easy, hein. Donc enfin un mode normal plutôt. Plus d'indices pour aider le joueur à trouver son chemin. Les ennemis sont moins agressifs, puzzles sont plus accessibles. La carte du jeu est dispo, possibilité de débloquer 36 cartes d'accomplissement. Si vous voulez ressentir et vivre l'atmosphère lourde du jeu, découvrir l'histoire et parcourir tous les événements du jeu sans être perdu et désespéré, ce mode est fait pour vous. Sinon on a un petit mode terreur, représenté par ce magnifique homme que voici. Donc le personnage a une durée de sprint normale, la charge de la lampe torche dure longtemps et se recharge automatiquement lorsqu'elle est éteinte. Moins d'indices, sprint normal, la charge de la lampe torche dure longtemps et se recharge automatiquement lorsqu'elle est éteinte. Moins d'indices, le joueur peut faire ses capacités, les ennemis sont agressifs. Les personnages sont kiffent, la carte du jeu est dispo, possibilité de bloquer un ici ou une carte d'accomplissement sans interaction. Alors la partie pour moi, c'est mode est pour vous. Alors pour ma part les amis, c'est une grosse décision que je prends aujourd'hui. Je pense que je vais partir sur le mode de l'effroi, d'accord. Si ça me convient pas, je referai le jeu avec la route du terreur. Mais pour l'instant je vais voir qu'est-ce que ça donne comme ça. Voilà, cet homme m'a l'air tout à fait amical, donc c'est parfait. Si votre personnage est fatigué par un long sprint, laissez-le reprendre son souffle. Mais oui, c'est très important. Pourquoi est-ce que notre personnage serait fatigué? Je vois pas du tout pourquoi est-ce qu'il serait fatigué dans des événements pareils. Au secours. Pourquoi je fais des vidéos qui vont me tuer déjà? Oh, je sais pas. She's coming. Elle arrive. Qui ça? Qui arrive? Run! You have to burn it, brother. Burn it! Oh. Oh, ma souris. D'accord. C'est une sorte de cinématique. C'est bien fait. Déjà le jeu, voilà, c'est pas n'importe qui quoi. C'est pas dégueulasse comme jeu. Bon, par contre je crois qu'on nous court après là. Ouais.
putain. Quel effet de caméra incroyable. Wow, wow, wow. Le mec rampe sur le tapis. Oh, il a pas l'air content. Va-t'en, démon. Bon, là, c'est pas moi qui joue, hein, je tiens à le dire, parce que c'est une cinématique. Hein. Oh, Seigneur de Dieu. Mais c'est génial. Bon, j'ai eu quelques petits lags sur la cinématique. Je tiens à préciser que c'est pas une version officielle. Je ne dirai rien là-dessus, d'accord. Oh là 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 là, quel feu. Ça l'a repoussé direct, ça. Hein. Salope. Ok, c'est ici qu'on pop. Non, toujours pas. Ouf, notre personnage saigne. Enfin, si c'est bien notre personnage, hein, parce que à ce stade-là, j'ai plutôt envie de dire qu'on part du mauvais pied. Hein. Là, on part quand même d'un gars qui est quand même embroché, donc. T'es en pleine journée en plus, hein, les démons. Enfin, les cultistes, ils sont chauds. Derrière, c'est ça? Non, c'est bon. Oh, c'est ici que j'arrive. C'est plus ou moins beau. C'est... Oh, un fauteuil. Ok, donc tape pour voir les objectifs. Trouver un moyen pour sortir de la maison. D'accord. Donc là, je vais modifier ma sensi parce que c'est quand même très embêtant tout ça. Mais j'arrive. Ok, donc d'après ce que j'ai compris, on a un gars qui a investi un manoir. Et en fait, on doit tout simplement, je suppose, faire en sorte de sortir de la maison et découvrir qu'est-ce qui s'est passé. Donc bah écoutez les gens, c'est parti. Alors, sortir de la maison. Ça, c'est un rideau fantôme. Putain. En tout cas, le jeu est pas du tout dégueulasse, hein, je tiens à le dire. Je suis pas du tout déçu par l'environnement. Bon, en tout cas, le suspense et tout, ça va. C'est bien scénarisé, j'ai l'impression. C'est pas non plus genre, trouve des clés. Pour l'instant, ça va. Si tu savais. Après, là, trouve un moyen de sortir de la maison. Bah oui. Ça, sûrement, oui. Ouais, ça m'explique toujours pas qu'est-ce que je dois foutre, mais ouais. Donc là, il y a du vin. Donc on peut se foutre une race, d'accord. Mec pense à des trucs pareils dans des situations comme ça. Je viens de m'enfuir d'un établissement où il y avait plein de démons. Et il y a des cultistes qui m'ont couru après. On va se mettre une rasade. Non, mais sérieusement, il aurait pu penser à ça. Alors chers amis, je crois que j'ai trouvé la soluce, mais bon, ça paraissait obvious parce que j'y avais déjà été, mais peut-être que... Yes, pour une fois que j'utilise ma cervelle et que je me dis, mais yes, j'aurais dû passer par là alors que ça fait 10 minutes que je cherche pour rien, alors que c'était évident parce qu'il y avait que là que je pouvais passer. Mais bon, c'est pas grave. Bon là, je me retrouve à ramper du coup dans ce qui semble être une aération un peu creepy et très grande aussi comme aération. Bonjour toi. Alors tu traverses les textures? Tu es bugué. Attends, en plus on est lent. Mais d'une lenteur. Ah d'accord. Cinématique, très bien. Donc c'est à ça que servait le trou du... Une question. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Mais... Oh, c'était évident, mais... Oh, tu vas te calmer direct, par contre. On va pas être copains, nous deux. Eh, mais ça serait pas le jeu que Squeezie a fait en live, genre... qui s'appelait l'Exorciste avant, mais que du coup, ils ont changé le nom parce que... Il fallait, parce que... Ouais, peut-être que c'est... Ça me rappelle un truc. Mais bon, il avait dit que c'était un jeu de merde. Enfin bon, après, bon, écoutez, hein, moi je sors du contenu, j'essaye de faire des trucs. Écoutez, c'est pas réellement une découverte du coup, parce que j'ai vu son live, mais il y a des trucs que j'ai vu, des trucs que j'ai pas vu. Après, bon, normalement je vais sortir que cet épisode là-dessus, à part si ça me plaît vraiment, mais.
pour l'instant, je trouve que l'atmosphère est pas mal, tu vois. Il y a beaucoup de cinématiques, hein, un peu. C'est... Hello. Ça tourne beaucoup autour du dialogue. Is anybody there? C'était pas dans le jeu que le personnage était complètement con, il avait des réactions un peu genre. un peu genre. Waouh, mais qu'est-ce que c'était que ce truc? Il me semble que c'était ça. Ouais. Il y a aussi un jeu sur lequel j'aimerais tourner qui s'appelle Call of Cthulhu. Il a dû sortir là. L'appel de Cthulhu, donc. Hein, ne pense pas que c'est un de tes jeux FPS préférés. Billy. Et en fait. Ouais, merde, je vais chercher les clés, putain. Et donc, du coup, ouais, j'aimerais bien faire des vidéos sur ce jeu là, Call of Cthulhu, parce qu'en fait, c'est assez RPG aventure horreur comme truc, ça va. Donc, c'est pas dégueulasse non plus. Bon, tu vas l'ouvrir cette porte, merde. Waouh. Alors. Je fouille un peu, hein, excusez-moi. Je fouillasse. Wow. Is this blood? Tu sais, le scénario qui me met la tête directement sur le sang parce que je regardais pas au bon endroit. La caméra qui fait tchou. Ah oui, c'est ça le jeu d'acteur. What is going on here? Okay. Arrête ça. Alors par contre, oh putain, mais vraiment ce jeu d'acteur, ils auraient tellement dû pas juste lui donner de phrases à dire en dialogue ou quoi, parce que What is that? La porte est fermée. What the fuck? Putain. Alors le fait que ça bouge, bon, je m'y attendais un peu. It's weird. Where is everybody? Où sont les autres? Ils ont été tués, espèce de con. Tués, tu comprends ça? Kill, killing, tués. Putain, dinguerie ça. Putain, il y a 3000 portes, je me perds, mais c'est un labyrinthe cette maison. C'est quoi l'objectif? Ouais, trouver les membres de l'expédition. En gros, trouver des cadavres. Si tu veux mon avis. Rappelez le dernier épisode de Rocket League qu'on a fait. Il était bien, hein. Ouais, bah là je me fais chier. Robert. Robert, is that you? Ouais. Wait. Where did he go? Ouais, where did he go? Oh. Vous savez ce genre de truc que je déteste là? Ok. Wow, par contre cet effet de flair est tout à fait incroyable. C'est vrai que quand on regarde une chandelle, ça fait ça dans la vie. Putain. Désolé, hein, je suis très critique, mais d'un côté il faut dire ce qui est. En plus je vois rien, et il n'y a rien à travers ces carreaux. Je veux voir la lumière du soleil, moi. Yes. Oh, mes deux meilleurs amis, Annabelle. Salut. Bah écoute, ils étaient pas mal, ils étaient en train d'être assis, ils buvaient un petit thé avec les petites poupées. Comment ça va? Coucou vous. Vous êtes jolis. Boudou. Tu sais que le mec s'en va les couilles. Oh cool, ils étaient en train de faire de la lecture. Alors, qu'est-ce qu'ils étaient en train de lire? Bah oui, c'est la question. Alors on voit l'espèce de lanterne bizarre qu'on avait avec les... Oui. Mais du coup, est-ce que je peux genre... Merci, reprendre l'aventure. Oh putain. Mec, je dois trouver un code, je dois trouver les 5 artefacts, mais ce jeu quoi. Ce jeu, bordel de merde. En fait, si vous voulez mon avis subjectif là en ce qui concerne ce game, si vous voulez, parce que là je suis... Mais arrête de faire ça, on s'en fout du tonnerre. Ce jeu a une forte présence graphique, genre ils auraient pu faire quelque chose de bien, mais niveau scénaristique et niveau gameplay en fait, c'est à chier. Enfin, si vous voulez mon avis, genre même si vous en battez les couilles, de toute façon je m'en bats les couilles que vous en battiez les couilles justement. Donc, mais genre, au niveau du gameplay en fait, ça prend plus la tête qu'autre chose. Après bon voilà, niveau graphisme par contre c'est bien, je dis pas. Il y a des beaux effets. Bon moi ça lag parce que je...
parce que j'ai pas une version parce que j'ai une version de type acheté mais pas trop. Niveau ambiance aussi c'est pas mal du coup parce que ça s'apporte au graphisme. Par contre le mec quoi il lit c'est chiant, je me fais chier. Niveau gameplay tu dois trouver des trucs toutes les deux secondes. Surtout que c'est très vague en fait aussi. Un autre défaut, les objectifs sont très très mal indiqués. Et comme c'est un énorme manoir en fait. Elle est belle mon ombre. C'est difficile de se repérer en fait dans le temps et l'espace. Ah oui là c'est vrai, faut un code. Et j'ai pas le code. Je parle pas du permis de conduire. Est-ce que ça me donne envie d'y aller? Non. Alors là. Ah mais prise de décision rapide hein les amis. Prise de décision rapide. Putain mais il y a trop de couloirs dans ce putain de... C'est incroyable. Des notes. Ouais. Ouais c'est pareil, on s'en bat les couilles. Ok. Oh, ça c'est cool. Merci. Waouh, je me sens vraiment dans mon élément là. Hihi, c'est génial. Ah oh, yes. Ah, c'est un point de sauvegarde. Yes. Eh ben écoute, au moins j'ai sauvegardé. C'est un putain de plaisir de jouer à ce jeu. Ah bien ça c'est point de sauvegarde. C'est un plaisir de jouer à ce jeu. Je m'amuse vraiment beaucoup. Le seul point où j'ai pas été c'est ici. Du coup j'imagine que c'est à l'endroit où ça fait le plus peur que je vais devoir descendre. Enfin bon de toute façon ce jeu peut arriver à me faire peur tu vois. Par surprise genre jumpscare et tout. Mais sinon normalement c'est bon. Ah mais c'est pas là d'où on vient nous. Est-ce que... Ah ouais c'est là où on était au début de la cinématique. C'est ça. Entrez. Bah quoi? Vous voulez... Bah monsieur arrêtez de taper si ce n'est pas pour entrer voyons. Hein? Une clé. Mais grosse pute tu reviens là tout de suite. Mais salope. Salope. Putain même les clés se foutent de ma gueule dans ce jeu. Mais y'a rien de drôle en fait Mais ce jeu. Je me fais chier. Oui je sais que je vais m'accroupir comme ça. Tu vas me faire croire qu'on me fait, passer sous une table pour rien. Voilà ça c'était sûr déjà. Eh ben alors salope, tu voulais pas venir? Non. Yes. Bah viendra jamais me chercher sous la table. Si. Putain. Bon, quand tu voulais aller. Ah, tu voulais voir le jumpscare? Pardon. Tiens. Comment vous dire? Je préfère me poser pour vous expliquer là. D'abord je vais manger quelques bonbons parce que écoute Halloween ça sert pas à rien. Le problème avec ce jeu si tu veux c'est que laissez moi trouver les mots justes. Oui voilà c'est obvious. Salut. Bah au moins on voit la une qui a ouvert les fenêtres. Bah alors tu viens pas me chercher. Connasse. J'en ai marre. Trouver la clé du taureau. Mais j'ai beaucoup trop d'objectifs là, bordel de merde. C'est quoi ces objectifs, putain? J'ai 3000 objectifs. Regarde ça! Regarde tous les objectifs que j'ai! Mais c'est. Putain. Et c'est. Je tiens à dire quand même que c'est pas parce que Squeezie a dit que c'était de la merde que je dis que c'est de la merde. C'est juste parce que c'est vrai ce qu'il a constaté. Tu vois, genre, c'est vraiment pas. Moi à la base, en fait, je me rappelais même plus que c'était sur ce jeu qu'il avait fait un live d'abord. Donc, ah merde, pour sauvegarder encore, putain. Je me fais avoir à chaque fois, je me dis putain, c'est une nouvelle pièce. Pas du tout. C'est pas souvent que je joue à des jeux d'horreur, vous savez. Mais mais le peu de fois où, le peu de fois où j'y joue, s'il vous plaît, faites un effort. Au niveau du scénario, je vous en prie, faites quelque chose. Ça serait pas de la douche. On me rappelle un truc, cette salle. De toute façon, toutes les salles se ressemblent en jeu. Ah, j'entends des bruits. C'est cool, on est sur le bon chemin. Mais non, je suis revenu là.
Merci d'avoir regardé cette vidéo.